Bonjour et bienvenue sur Arsenus TV, la chaîne de tous les défis. On va continuer donc l'épisode 3 dans ce troisième épisode de Frost Rune. Où est-ce que j'en étais? Je crois que je venais de déterrer le squelette d'un cheval. Et ben voilà, c'était ça. Alors, il y a le côté rejet. C'est ça, il y avait le côté monde des esprits. Et il y avait cette coffre, voilà, que je n'arrivais pas à ouvrir. Ok, alors. Et j'arrive toujours pas à l'ouvrir, je comprends pas. Non, bah tant pis. Alors, tant pis. Ah, j'ai le bruit d'un truc, mais je sais pas comment faire. J'ai découvert ça. Ah, mais ça a changé. Ah, d'accord, faut faire deux combinaisons de code. Ah, c'est chiant. Alors, ça. Ok. Ok, donc c'est ça. Ok, donc ça c'est réussi. Ok, donc c'est ensuite. Waouh, je me suis perdu un instant là, il me faut ça, 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 ok, ok, alors il me faut donc ça, 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 non, je me suis trompé. Ça, ça, ah oui, ça. Et ben voilà, un totem du cheval, parfait, il n'y a rien d'autre, pas de vision, rien, ah, ok. Non, c'est bon, le cheval a disparu. Bon, j'ai le totem du cheval, c'est bien, mais... Faut peut-être que je le mette quelque part. Alors ça c'est bon, c'est dégagé, donc ça c'est cool. Faut que j'en fasse ça ou pas? Il n'y a plus rien au niveau de la vision, donc ça c'est bon. Ah, mais le totem du cheval il peut peut-être me servir pour. Non. Du tout. Il y a un truc bien mieux là, non?
Sait-on jamais. Alors, le totem du cheval, où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Ça, c'est. Hop, je vais aller par là. Il y a un petit bateau avec quelque chose dessus. Ben oui. Ah, mais, attends, attends. Non, je sais pas trop. Suis l'esprit du cheval. Oui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, il n'y a pas de souci. Ah, mais attends, hop, les sous-lourds. J'ai toujours pas le truc, je sais pas ce qu'il faut faire. Oui, non, hop. On va remonter. Bon, je pense que c'est au tout début. Je vais essayer de retrouver ça. Y a rien ici. Non. Y a quelque chose ici. Voilà. On va aller dans ça, ici, voilà. Il y a un truc à faire avec tout ça. Brut, oui, mais le totem du cheval, faudrait que je le remette là-dedans. Ah, mais peut-être, oui, sur la table. Tiens, d'accord. Donc, faut que je retrouve aussi des totems, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est animé? Le cheval, c'est fait. Il faut les corbeaux. Les corbeaux qui bougent. Ok. Donc, apparemment, on va essayer de trouver le truc du corbeau. Bon, ça au moins, c'est trouvé. J'avais oublié que j'avais l'hôtel. Les corbeaux, où est-ce que je les ai vus? Une pierre avec des corbeaux. Alors là, c'est des têtes de loup, donc ça, c'est pas pour tout de suite, je pense. Il va falloir aller. Tac, tac, tac. Je crois que c'était. Un petite clairière ici. Allez. Voilà la scie, facile. Bon, j'ai fait couler l'eau, ça c'est cool. Ici. Voilà. Rien, pas d'indice. Donc ça c'est fini. Alors j'ai fait couler de l'eau, c'est cool, mais je vois pas l'intérêt en fait. Non, il faut venir ici.
Alors, ici, est-ce qu'il s'est passé un truc? Pourquoi? J'ai pas l'impression. Alors, je vais retourner voir ici, voir s'il y a un truc, non? Ici. Les corbeaux volent haut. Attention, le gel approche. Ah, d'accord, ça a rempli le puits. Le poids de tisserand. Et ben, oh, bah, dis donc, c'était. Ok, bon, bah, j'ai récupéré le poids de tisserand, donc direction. Facile. Non, bon, tant pis. C'est pas grave, on aura essayé. Alors. On va essayer de fouiller un peu partout. Il manque de l'argile. Enfin, là, il y a quoi? Ah, ben voilà. Ah, les corbeaux, voilà. Oula, 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 Alors, le dieu du tonnerre écrase les crânes de Jotun avec une arme puissante. Le dieu du tonnerre, c'est Thor, donc c'est avec son marteau, c'est facile. J'ai vu Avenger, c'est facile. Son char est tiré par deux bêtes cornues. Bah. Voilà. Les espions et les dupéres de tout apportent des nouvelles du monde entier. Ça, ce sont les corbeaux. Facile. Son arme de combat survole tout le champ de bataille. Son arme de combat, je crois que c'est là. Il est armé d'une lance. Et son Galahorn retentit dans tous les 9 mondes, bah c'était son c'est un peu poète. Et Bifrost, c'est l'arc-en-ciel. Voilà. Freya,
Freya, déesse de l'amour, chevauche une bête cornue au combat. Donc, en toute logique, ce serait encore le ça. Les chasseurs tirent son char. Chevauche une bête cornue au combat. Ça. Les chasseurs tirent son char. Les chasseurs, je dirais des sangliers, mais. C'est pas des chasseurs, des sangliers, des renards en plus. Non, c'est pas ça. Alors. Freya, déesse de l'amour. Non. Chevauche une bête cornue au combat. Ça. Zut, flûte, cacaboudin. C'est pas correct ça. Que je recommence. Freya, déesse de l'amour, chevauche une bête cornue au combat. Il reste des chasseurs tirent son char. Des chasseurs. Ah là 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 là! Freya, en plus Freya, je ne la connais pas trop bien. C'est chiant. Freya. Elle chevauche une bête cornue au combat. C'est comme avec. Allez, on va dire ça. Non. Il y a un son différent ou pas? Les chasseurs tirent son char. Non. Ouais, c'était un peu bizarre. J'ai trouvé ça, mais c'était bon, bof. J'ai pas été. Je connaissais pas Freya. Ma faute. Bon, bah, apparemment, j'ai réussi. Non, si. Qui tombe, mais je ne sais pas d'où. Faut que je reparte, non, faut que je revienne. Ah, c'est ça, c'était le sanglier et le. Je sais pas quoi. Non, les mecs, vous sortez pas?
allé sortir, hein? Bah non. Bon bah j'ai débloqué ça, c'est cool. Bon, je vais voir avec l'esprit de l'eau ce qu'il me dit. Cucu. Là, j'ai toujours rien. Non, toujours rien, c'est dommage. Ouais, j'ai débloqué ça, le truc avec les corbeaux, c'est très bien, mais les corbeaux, je ne les vois pas. Je suppose qu'ils vont m'apparaître sous forme d'esprit, mais ah, mais attends. Maintenant que les ai libérés, ils sont peut-être dans la fresque. Non? Non. Est-ce que j'ai une vision ici ou pas? Non, rien, tant pis. Tout était sympa. Donc ça j'ai libéré, c'est bon. Il n'y a rien d'ici, non. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Si je retourne là, là c'était le coin du cheval, donc je pense pas. Alors, ça. On a toujours rien pour le cheval. C'est le loup, c'est après. Là pour le moment on en est au corbeau. Donc, je suis en train de faire des corbeaux. Les corbeaux sont animés, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors retournons. Il y a des plumes qui vont sur la gauche, je pense que je vais y aller. Ah mais attends, j'ai pas... Non, je tape en haut pour voir s'il y a quelque chose, mais non, il n'y a rien. Oui, ils ont tous les deux vers le haut, d'accord. Ils sont pas animés, ça qui est bizarre. Alors, peut-être que je regarde où il y a des plumes de corbeaux qui retombent à nouveau. Parce que là, il y a des plumes de corbeau qui m'indiquaient un chemin, apparemment. Hein, mais si j'y vais...
Oh, c'est chiant. Bon, je vais rester dans mon désespoir, je vais voir s'il y a d'autres. Et oui, le chemin, mais bien sûr, évidemment. Et voilà, facile. Oui, c'est bon, non, c'est bon. Pas l'enclume par hasard. Il n'y avait pas une enclume quelque part. Non. Sous la pierre qu'on appelle la pierre de Jotun. Donc il n'y a plus les corbeaux. Enfin, il n'y a plus des plumes déjà. Donc ça, c'est à dire que je suis sur le bon chemin. Ah! Voilà! Facile! Thank you.
J'ai du bronze, c'est cool. Alors je me demande si je devrais pas attendre en fait, parce que là j'ai du métal, j'ai de l'argile. Je pense que je peux aller couler un bronze. D'accord, donc c'était juste là. Alors j'ai trouvé le coffre, c'est cool. Et je me demande si je dois pas. Voilà. Pour achever la seconde moitié du moule. Oui, mais je n'ai pas le premier moule en fait. Bon, apparemment le bronze c'était le cadeau bonus. Faut vraiment faire des trucs, donc on y va, c'est parti. Oui, c'est la pile de jetons, c'était ça en fait. Ouais, c'est un peu gros, hein. Alors, l'embêtant, c'est que ça, j'ai pas d'idée. Bon, ça, ce sera très probablement utile plus tard. Où est-ce que je peux trouver une aide? Ah, mais si, ça y est, facile. Voilà, les corbeaux, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est facile. Première, deuxième. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 2. Facile. Trop facile. Alors. 1, 2, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 2. Tranquille. Le coffre du corbeau a quitté notre île. Ouais, c'est à l'abri des ennemis et des malveillants. Nous l'enverrons sur les mers scintillantes pour nos amis gardiens et d'Étienne. Les normes ont écrit notre destin. Le corbeau, le cheval et le loup s'uniront contre le gel qui envahit nos terres. Le corbeau, le cheval et le loup. Donc j'ai fait le cheval, c'est bon. Le corbeau, je suis en train de le faire. Et le loup s'uniront contre le gel qui envahit nos terres. N'oublie pas le dicton du corbeau. Le corbeau du nord surveille la maison. Ok. Ah oui, c'est celle-là. Justement, c'est la clé pour ouvrir le coffre. Le corbeau du sud combat l'ennemi. Ok. Le corbeau de l'ouest protège la fille. Le corbeau de l'est vole avec le guépard. Alors, ça, je vais prendre une petite note. Alors, on a le corbeau du sud qui, forcément, le stylo ne marche pas, voilà. Le sud. Non, c'est le nord. Le nord, maison. Le sud, combat. On a l'ouest, c'est la fille. Et on a l'est,
Allez, on est parti. On va partir sous l'eau. On est bien. On est bien. Mode esprit, on plonge sous l'eau. Alors, on a le nord, la maison. Bah, ça, je l'ai bien placé. Le sud, qui combat l'ennemi. Donc, ce serait plutôt ça. On a l'ouest, la fille, ok. Et voilà, facile. Ah, ah bah oui, puis je peux pas le prendre, c'est con. Il a dû s'échouer, là, voilà. Le totem du corbeau. Facile, facile. Alors, tac, tac, tac. On retourne dans le temple. Et maintenant, le loup s'est activé. Alors, le loup. Le loup, c'est ici. Salut. Cucu. Eh ben justement, je dois être guidé. Ah bah ça y est. Alors là, ça c'est celui-là, il est encore plus facile. Ça, j'ai toujours pas vu, je peux toujours pas faire. C'est fou ça. D'accord, donc alors là on va retourner là où il y a la boussole. La solution est ici. Il y a des symboles associés. Coucou. Alors on a donc le double gars qui combat le loup-garou. On a la fille avec la corne. On a le cocher. On a la hache avec les tentacules. Enfin le serpent, pardon. Et on a trois têtes avec le loup. Alors je vais voir quand même l'esprit pour voir ce qu'il dit lui. Allez, on est parti. On a donc le loup. Alors, trois têtes et du loup. Alors, on a ça contre le loup-garou. Ah mais non, faut que j'active que ceux qui correspondent, d'accord, ça, ça, voilà. Ouh. Ah, le loup est parti, on va suivre ses empreintes. Apparemment pas par là. Bah si. Allez, hop. Par là. Gauche ou droite?
dans la grotte. Cool. Starkar Omer, Tvarez Firir at Frostgander Eiro, Kom med inn, Heile Fjolkingamen. Ok. Alors j'ai l'amulette brisée. Très bien. Alors, il me semble. Ah oui, non, mais il faut que je fasse. Ça me paraît évident, moi. Mais. Je vais utiliser l'amulette brisée pour moule, en fait. Comme moule. Non? Ah bah non. Je m'ai trompé. C'est pas grave. On va aller voir ailleurs. On va aller voir à l'hôtel. Voilà. Alors là, j'ai dû débloquer des esprits. Là. Non, bon, bah tant pis. Alors, l'amulette. Ah, un poids de tisserand, c'est bien. Alors, ça va me terminer. Je vais terminer le produit tisserand. J'ai l'impression qu'on approche de la fin. Eh bien, écoutez, je vais débloquer ça. Alors, il y a des trucs qui sont apparus. Oh. Oh là là! Ça, ça permet d'annuler. Oula, oula, ça c'est encore une énigme compliquée. Eh ben écoutez, vous savez quoi, on va arrêter là. Ce sera très très bien. Je vais pouvoir un peu regarder ça. Et puis ben, je vous dis à bientôt sur Arsenius TV, des bisous qui piquent. Salut, salut!